aujourd'hui on vlog à deux. Il y a le chéri qui vient avec moi. On va aller à Château Rouge et on va acheter deux, trois choses. Hein. En fait, Château Rouge, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le quartier, ou disons le marché africain où il y a de tout. Donc, je vous emmène avec moi. Alors que c'est un faux timide en fait. Voilà, ici on dirait du marché de Château Rouge. Voilà. Voilà. On vient voir les béninoises. J'ai ma voix béninoises, vraiment béninoises là. Toi, tu as de quelle origine? Ah, Alcar, Roger Dadani, Aloupé. Il parle Yoruba, non. Trop bien. Ma mère, ma mère, mon père, Angélique. Waouh, t'es métisse. C'est comme un paquet. Oui. Le père. Oui. Camerounais et la mère. Angélique. Ils ont fait une flèche. Et toi, t'as fait quoi? Avec Odette, hein? Alors j'ai acheté de l'épinard et maintenant on va acheter les accessoires pour l'épinard. C'est parti. C'est beau. Là, il y a du nenouï. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Dites-moi en commentaire. C'est tout gluant. En fait, là, c'est des petites feuilles. Normalement, on le prépare soit seul ou sinon avec le gombo. Et là, c'est trop bien. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est ça. Et quand on l'ouvre, ça donne ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Donc là, c'est comme ça. Et quand on ouvre, ça donne ça. Et vous avez du clou-clou. Il y a le chéri qui va payer la banane. J'espère que ce vlog va vous plaire. Alors, ça y est, on a fini les courses. On rentre. Et monsieur va être au fourneau. Je vous dirai si c'était tout ou pas. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est quand on a fini que le soleil ressort en fait. De retour à la maison. Franchement, c'était compliqué parce que la journée, il pleuvait. Un coup, il pleuvait. Un coup, il y avait du soleil. Donc, c'était vraiment chiant. Mais on a pu trouver tout ce qu'on voulait. En gros, c'est pour préparer une sauce qu'on appelle main. Donc, les Béninois vont connaître. En fait, c'est une sauce feuille, une sauce épinard. Mais il y a tout dedans. Il y a du crabe, il y a du poisson fumé. Là, on va mettre du affinti. Affinti, c'est la moutarde africaine. Je vais vous montrer tout ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on allait jusqu'à Château Rouge. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser le chéri préparer. Il n'aime pas être dérangé. Donc, je vais le laisser préparer. Puis après, je vais vous montrer le résultat du coup de ce qu'il a préparé. Voilà les amis, le plat est prêt. Donc c'est mantanjan avec pâte de maïs. Voilà, souhaitez-moi bonne dégustation. Franchement, vu comment ça sent bon, c'est sûr que ça va être délicieux. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on soutient la chaîne en likant, en partageant et en s'abonnant si ce n'est pas encore fait. À bientôt.